Bon. J'ai lu votre dossier. Trois témoignages. Trois fois exactement la même chose. Mais ça ne tient pas debout du tout. Même s'il n'y a absolument aucune contradiction, il y a encore vachement flou. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais sur... Je vous ai déjà dit tout ce que je savais sur Harley Warren, je vous promets. Mais pas à moi. Écoutez, je vous ai déjà dit que je savais pas ce qu'était devenu Harley Warren. Je pense, j'espère, qu'il repose en paix si c'est possible. Vous voulez que je vous parle d'Harley Warren? Je vais vous parler d'Harley Warren. Il s'est isolé dans ce bouquin. C'était dans une langue que j'avais jamais vue avant. Et après ça, il est devenu de plus en plus. Bordel, qu'est-ce que tu fais là, Ryan? Tu t'es dit de pas regarder ça, d'accord? Je fais ça pour te protéger. Tu pourrais pas comprendre ce qu'il y a là-dedans. Abusif. Enfin, je veux dire, il a toujours été assez dominant, mais depuis qu'il a trouvé ce livre, il l'avait toujours sur lui. C'est comme s'il me faisait vraiment pas confiance. Il me parlait de choses du genre des cadavres qui pourrissaient jamais, même après 1000 ans. Et qu'avec son livre, ben, il avait trouvé une espèce de sanctuaire ou un truc dans le genre. Il a jamais voulu me dire ce qu'on allait chercher dans ce tombeau. Et franchement, je pense que je préfère pas savoir. Donc vous admettez avoir été aperçu vendredi dernier, près de la forêt d'Agon? J'ai jamais dit le contraire. Cela dit, il n'y a aucune trace de ce soi-disant cimetière que vous aimez tant. J'y étais! Je sais ce que j'ai vu! J'y étais. Ryan, tu m'entends? Ryan? Ryan! Oui, parle. Oh, tu m'écoutes? Je t'ai dit de me suivre. Le livre dit que c'est par là. Go. Bon, bah c'est parti. Je sais pas si tu te rends compte, Ryan, c'est trop bien. Ce truc a pas été listé en 1000 ans. On va être les premiers. Non mais, hey, Ryan, qu'est-ce que t'as ce soir? Tu te rends pas compte de tout ce que cette soirée va nous apporter? Bah si, mais... Allez, s'il te plaît, la banane. Je te paye la bière juste après. Go. Ryan, viens voir, putain! Oh putain, mec! Viens, c'est trop bien! C'est trop bien! Ryan, là-bas! J'y crois pas, on y est, c'est trop bien. Ah. Tiens, éclaire-moi ça, on va voir si c'est bien là. Plus de fabrication. C'est sûr. Ok, c'est bien ici. Hop, tu vas m'aider. On voit ça. Ah. C'est trop génial. Ouais. Bon, bon, on y est. C'est le grand moment. Ah, on va faire comme ce qui était convenu, du coup. Moi, je vais aller dans le fond et toi, tu vas rester à la surface, ça marche? Mais non. Non, 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 on avait dit convenu un truc, donc on va s'y tenir, d'accord? Voilà, je tiendrai au courant de ce qui se passe par Tolki. De toute manière, ça m'étonnerait qu'il y ait du réseau là-dessous. Ouais, oh, et puis tu sais bien, les ondes courtes et que ça devrait. Allez, t'en fais pas, je te dis. Allez, je descends, je prends quelques notes et je remonte. Tu sauras tout ce qui s'est passé et derrière, on rentre à la maison. Ok? Toi qui entres ici, abandonne tout espoir.
Harley, Harley, tu m'entends? Parle, je t'écoute. Mon Dieu, Ryan, si seulement tu pouvais voir ce que je vois, c'est... Qu'est-ce que ça répond, moi? Tu pourrais pas comprendre. C'est affreux, Ryan, personne ne peut savoir ce qu'il y a là-dessous et survivre. Faut que tu refermes la porte. Quoi? Non, je vais pas refermer la porte. À la porte, putain! Ferme cette porte! Prends tout et casse-toi! Bouge pas, je viens de chercher, j'arrive. Ah, tu comprends pas. C'est trop tard, tu peux plus rien faire. Referme la dalle. Vite avant qu'il soit trop tard. C'est beau que ce soit un qui te fasse. Je pense pas qu'on se reverra, Ryan. Faut que tu cours maintenant. Tu perds déjà du temps. Oh, Sainte Marie, mère de Dieu. Oh, on se sent. Oh, putain!